sais, quand t'es parent et que tu arrives dans ce, on va dire, dans cette nouvelle responsabilité, ça va ? Tu regardes un petit peu ce que toi tu as reçu à droite, à gauche, de tes parents, à l'école, en grandissant, des parents de tes amis, pour un petit peu t'adapter à tout ça. Pour ma part, c'était clair que le respect était quelque chose de très important. Dire merci, bonjour, au revoir, bien se tenir à table sont des choses très importantes. Parce que de la manière dont elles vont se respecter déjà elles-mêmes, c'est de la manière dont elles vont espérer que les gens la respectent aussi. Donc il y a un standing qui est déjà, en fait, qui a déjà fait. Une à droite, une à gauche. Le plus gros travail qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de tout faire pour que nos filles réalisent leurs rêves. Ça sera la plus grande des récompenses. Tu vois, du sens où aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une vie qui est stable, on prend beaucoup de plaisir, on a la chance de vouloir faire ce qu'on veut à n'importe quel moment. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas données à tout le monde. C'est gratifiant, oui, mais en même temps, on sait que il faut travailler pour ça. Waouh ! C'est déjà à cet âge-là que tu commences à rêver. Moi, j'étais encore plus petit qu'elle, que je disais déjà, moi, mon rêve, c'est d'essayer de devenir footballeur professionnel. À un moment donné, elles vont avoir leur propre responsabilité. Et du moment où tu as un enfant qui est prêt à accepter et à aller au-devant de ses responsabilités, je pense que c'est une réussite. Ça a été un apprentissage pour moi. C'était un petit peu, on va dire, un petit peu compliqué parce que j'ai été adopté très jeune. Il y avait des choses que j'avais pas reçues que j'ai dû en fait apprendre tout seul et en même temps en famille. C'était normal pour moi de leur donner tout ce que j'avais, sans retenue. Elles ont tout de moi. C'est-à-dire, c'est la personne à 100% quand je suis pas bien, elles auront aussi le moment où je suis pas bien et je leur dirai que voilà, c'est comme ça. Et quand c'est bien, et c'est sans limite quoi. Je suis là à montrer. Allez. Ils ont besoin de voir leurs parents aussi en tant qu'enfants, parce qu'en fait, on est des grands enfants. Donc on arrête de se mentir, on est des grands enfants. Alors. On a des responsabilités qui font qu'aujourd'hui, on est obligé de se tenir d'une certaine manière, que les gens veulent nous voir comme ça. Regarde, Djourou, il doit se tenir comme ça, Emily doit se tenir comme ça, parce que c'est des adultes. Mais en fin de compte, on reste des enfants. Parce qu'on en a besoin. Quand je vois les trois, je ressens qu'elles sont heureuses. Il faut prendre du plaisir dans la vie. J'aimerais que chacun puisse avoir accès à tout ce que nous, aujourd'hui, on a accès. Je te parle pas forcément de bien, mais je te parle juste de moments, de joie, des moments privilégiés que tu passes en famille, parce que il y a des gens qui n'ont pas forcément de famille, il y a des gens qui sont seuls, qui ne rencontrent pas, qui ne rencontrent jamais l'amour, il y a des gens qui se sentent délaissés. Mais si j'avais le pouvoir de changer quelque chose, ce serait justement que le monde soit plus équitable. Fly away, fly away. Fly away with me, it's time to fly away, fly away. His blood set me free, it's time to fly away.